Les marécages et les zones humides renferment de grands secrets. Ce sont des territoires sombres où règnent les ténèbres et où les profondeurs des eaux sont marquées par les peurs et les incertitudes. Si vous osez vous plonger dans ce genre d'univers, le moindre frémissement d'une branche peut provoquer le gardien de cet écosystème. Dans cette vidéo, vous apprendrez à connaître les vrais monstres qui ont causé le plus d'anxiété et de terreur au fil des ans, surtout ceux qui ont eu la chance ou le malheur de les avoir vus, se sentant complètement coupables d'avoir transgressé leur environnement naturel. Numéro 5. Rougarou. Bigfoot n'est pas le seul nom de cette énorme bête américaine que beaucoup comparent à un grand monstre capable de se dresser tout comme un être humain. Il est aussi connu sous le nom d'homme-loup ou de rougarou, et tout indique que la demeure de cette bête est située en Louisiane. Au cours des dernières années, les observations de cette bête dans les marais de cet état ont augmenté. Le problème avec rougarou, c'est que sa tête n'a pas vraiment de traits humains, mais ressemble plutôt à celle d'un loup, une bête qui erre la nuit à la recherche de nourriture. Numéro 4. Qu'être corrompu. Également originaire de Louisiane, on dit que dans le marais de Honey Island se cache le Qu'être, un monstre qui est aussi connu sous le nom de singe des marécages. Ce serait un être capable de respirer sous l'eau et sur terre. Son apparence est celle d'une personne portant des vêtements déchirés, qui sont en fait ses cheveux sales, secs et marécageux. On dit qu'il a une grande stature et des yeux semblables à ceux d'un singe. Un contrôleur de la circulation aérienne à la retraite prétend avoir des photographies et une vidéo datant de 1963 à 1974, année où son existence est devenue populaire. Numéro 3. L'homme-grenouille Loveland. Oui, comme son nom l'indique, l'homme-grenouille Loveland est un être avec le corps d'une grenouille et des yeux brillants, dont la hauteur serait d'environ 1 mètre. C'est en 1955 qu'il a été signalé pour la première fois. Ce n'est qu'en 2016 que l'idée de son existence refait surface, lorsqu'un groupe de jeunes a affirmé l'avoir vu autour du lac Isabella à Colorado City. La rumeur de son existence est si populaire qu'il existe un documentaire dans lequel, en plus de l'explication de ses caractéristiques et ses croyances urbaines, une recherche exhaustive a été menée au milieu du dit lac. Numéro 2. Lizardman. Selon ceux qui l'ont vu, l'homme lézard est un monstre qui vit en Caroline du Sud, où il est réputé dominer et laisser sa trace dans les grands marais et les lacs. C'est un lézard qui a été vu pour la première fois en 1988, et pour la dernière fois en 2011. Sa taille est de 2 mètres et il marche comme une personne. Numéro 1. Singe blanc. À cette position se trouve un monstre dont l'âge remonte à l'an 1500. C'est un énorme singe blanc qui a acquis une énorme renommée quand le fondateur mormon Joseph Smith a prétendu l'avoir vu au 19e siècle. Une bête de proportions supérieures à celle d'un gorille et avec une personnalité semblable à celle du Bigfoot. La légende raconte qu'il s'agissait d'un monstre convoqué par un chaman et sorti de la rivière Saco pour venger la mort d'une femme indienne et de son fils. Ainsi, par vengeance, la bête revient chaque année pour parcourir les marais les plus sombres de la planète. Zone 0. Mokele Mbembe. C'est une bête qui fait partie de la mythologie africaine et qui ressemble beaucoup au monstre du Loch Ness. Beaucoup prétendent qu'il s'agit d'une légende, d'autres l'ont confondu à de nombreuses reprises avec un simple hippopotame, alors que les plus convaincus affirment que c'est un animal qui pourrait mesurer 5 mètres de long et qui vit furtivement dans les eaux des rivières du continent africain.